Hi guys! Aujourd'hui, réaction à l'épisode 3 de la saison 10 de The Walking Dead. D'après ce que j'avais vu du trailer, je pense qu'il va y avoir des rôdeurs qui vont arriver à Alexandria. De ce qu'on a vu, on a Aaron qui se bat et tout ça, donc je pense qu'il va y avoir des morts. Je pense que c'est un épisode qui va être sacrément badass, notamment on a Carol qui, à mon avis, va être dans tous ses états, ça va être un truc de fou qui va commencer à être en colère. Donc je m'attends à un très bon épisode avec pas mal d'action, des morts, mais peut-être des morts lambda, je pense pas des gros personnages. En tout cas, je pense à un épisode qui peut être mémorable, en tout cas pour le reste de la saison, donc c'est parti! Bon, alors évidemment, depuis tout à l'heure, ça avait pas enregistré, j'ai pas fait gaffe, du coup, vous avez pas les 5 premières minutes de réaction d'épisode, c'est-à-dire que j'ai en train de réagir, mais que la caméra a pas enregistré, donc bon, désolé. Mais les Highwaymen, on les avait oubliés en fait, on savait même plus qu'ils étaient là. Là, tout le monde est sur les nerfs, ils ont pas dormi, ils ont eu des vagues pendant je sais pas combien d'heures. Enfin, c'est trop ça en fait. J'aime trop les gens, ils ouvrent leur bouche, mais en fait, ils trouvent pas d'idée en fait. Sans blague. Je comprends que personne n'a envie d'aller parler à Alpha, tu m'étonnes. C'est encore se plier à ses règles et tout ça, c'est vraiment énervant. Franchement, moi, ça me ferait péter un plomb. Ouais, des gars qui ressort, oui, qui va pouvoir se battre. Bon, il est déjà ressorti, mais il pouvait pas se battre. Et là, il a la flemme. Bon, ça, c'est ce qu'on avait vu dans le trailer de la saison. Mais on sentait que, voilà, ça allait pas bien se passer. Il a envie de le tarter. Il a envie de lui mettre son moignon dans la tronche. Ah, ça va être cool de voir Negan se battre et tout. Ah, le duo. Mais c'est sûr, Negan, il va sauver la vie d'Aaron. Et du coup, Aaron va faire bon, bah, ouais, d'accord, c'est bon. Le mec, il va plus savoir quoi dire. Bon, bah, je peux plus trop être vénère après lui, donc. Aaron, arrête d'être relou là, c'est pas possible. J'aime trop Negan. Franchement, il manquait tellement, quoi. Et là, c'est. Est-ce qu'elle va essayer de nous couper la tête? Comment ça se passe? On prend l'apéro? Je sais pas trop. Tu m'étonnes, ça rappelle pas des souvenirs de fou, en fait. La Dark Carol va être de retour. J'avoue, elle aurait juste à lui tirer une balle dans la tête et c'est fini, en fait. Enfin, c'est fini, non, mais ça règle déjà une partie du problème, quoi. Déjà, on dit bonjour, hein. Bon, enfin, le feu, il venait pas de la nature, il venait d'un satellite qui s'écrasait, en fait. Elle s'en fout. Et non, c'est pas vrai. Ouais. Et ouais. Et ouais. Et Aaron. Ouais. Bah oui, ça fait 3 fois. Mais c'était sûr! Mais pour le coup, comment tu veux trouver une excuse là? Tu peux pas t'en sortir comme ça en fait. D'accord, elle va grandir son territoire. Ah ouais, non, mais là, elle va déclencher une guerre si elle continue comme ça, Carole, en fait. Enfin, de toute façon, elle aura une, mais bon. Oh, ça rappelle tellement Negan Eric. Sauf que là, c'est Alpha Carole. Michonne a fait des yeux, là, elle est en mode, oh là là, tout peut basculer en 2 secondes. Du coup, elle se dit, ah, elle pourrait faire partie des nôtres. Oh là, elle dit vraiment le truc qui. Oh là 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 là. Tendu, 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 tendu. Carole, elle a tellement envie de la tuer. Ah, j'aime bien cet épisode, j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Ça commence tellement à être le dawa là. Bah comme ça c'est clair, voilà, on a compris l'idée. Ça peut pas être plus clair. Je crois qu'elle va plus parler de bracelet de meilleure amie, je sais pas quoi, là c'est fini les trucs comme ça. Voilà. Là c'est pas réussi, ça peut être problématique hein. Ah mais du coup Negan va rencontrer Chuchoteur ou pas? Ah c'est quoi ça? Mais arrête, Aaron, c'est pas possible. Je crois que ça va pas lui plaire. Sauf qu'ils ont un point commun. Comment dire là, fallait pas dire un truc comme ça. J'étais sûr qu'il avait pas aimé. Chaud. Non, 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 on le revoit parce que dans le trailer, on le revoit à un moment donné avec une scène où Aaron il est par terre et Negan il est debout. Ah bah oui, des rôdeurs qui courent. Me dites pas, c'est le petit prince, hein, sinon je vais péter un câble. Ah, ça rappelle avec ses. Ah, oh, Lizzie, Micah, Henry, Sophia, Sam. Faut même plus lui faire confiance à Carol parce qu'au final, elle part tellement en vrille là. Mais j'aime bien qu'elle parte en vrille. Mais pourquoi il a la vision troublée comme ça là? Ouais, il va être dans ce bâtiment là. J'avoue, Negan, il peut tellement te faire vivre un enfer. Peut tellement se foutre de toi. Il est en train de dire qu'elle commence à devenir cinglée, quoi. Ah là, faut pas qu'elle aille trop loin, là. Ah là 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 là, c'est mis dans un bourbier, là. Le malaise. Malaise TV, quoi.
Arrête avec ton moignon, tu peux tout ouvrir, non? C'est comme un bélier, non? Il les regarde, il est peinard. Oui, il va l'aider, c'est sûr. C'est sûr. Et voilà, il lui a sauvé la vie, comme j'avais dit, c'était sûr. Enfin, c'était même pas... C'est même pas une surprise. Il est en train de flipper pour rien, il va rien lui faire. Ça lui donne une bonne leçon, c'est bien. J'aime bien Aaron, mais là, il allait un peu trop loin. Son pied de biche. Son pied de biche, il a bien servi. Hein. Tu peux plus dire grand chose, t'es juste obligé de te taire. Tu peux plus rien dire, c'est mort. Ouais, grave des visions, ça c'est sûr. Ah, oh, elle s'est endormie. Ah, ça va être pas mal de se dire qu'elle va plus savoir ce qui est vrai, ce qui est pas vrai. Ça peut être intéressant. Voilà, c'est vrai ou c'est pas vrai? Voilà, c'est vrai, je pense. Ouais, je lui accorde, je fais ah. Oups. Enfin, genre, ils ont mis des pièges comme ça au milieu d'une pièce. Enfin, ouais. J'ai du mal à comprendre l'utilité déjà. Au moins là, on sait qu'elle est là. C'est un cauchemar ou pas? Non, c'est vrai. Hein. En plus, la chute, elle peut être terrible, quoi. Si tu chutes sur la tête, c'est mort. Hein? C'est encore un cauchemar? Non. Attends. What? What? Non, non, c'était vrai, c'est ce qui me semblait. Toubib. Ils auraient pas pu mettre Doc comme on l'entend en fait, parce qu'ils ont mis Toubib quoi, enfin pourquoi? Il est plus apte à être médecin lui pour l'instant. Si je me disais pas qu'ils allaient suivre les comics avec Dante, je me dirais que Dante et Sidi qui finiraient ensemble. Hein. Mais ouais, il est toujours là. Il est tellement gentil. Après tout ce qu'il a fait, oh, il est tellement gentil. Bon, finalement, il n'y a pas de mort, donc bon. Un peu déçu, je l'avoue. Fils sadique. Très clairement, ouais. J'avoue, avant, il avait peur de tout, il faisait rien lui-même, fallait toujours que les autres le protègent. Oh là là, la friendzone, c'est pas beau. Mais c'est pas cool ça, enfin pourquoi les rappeler tout le temps? Ou en même temps, j'avoue, il est peut-être un peu lourd aussi. Toujours malaisant de voir une friendzone en direct, quoi. Oh. J'avoue, c'est ça en fait. En gros, je fais pas de pécho, donc bon, voilà quoi. Mais je pense pas qu'il pense ça, il est juste maladroit. Oh, mais c'est terrible ça, ce genre de situation. C'est trop triste. J'avoue, n'empêche, il l'a vu avoir 4 mecs. Dante! Ouais, il est complètement dans le déni. Ah ouais, ils ont fait un background vraiment pas mal quoi. J'avoue les mecs, il a une estime de lui qui est assez dingue quoi. Wow, je rêve qu'on l'a vu sourire là, ne serait-ce que 2 secondes. Rêve. D'accord. C'est trop douloureux pour elle de revoir Henry à chaque fois, du coup elle préfère pas dormir. C'est pas la même tête tout d'un coup quoi. On est passé du coq à l'âne très clairement là. J'avoue, s'il y a plus personne qui la croit, ça va être tellement chaud. Mais elle a raison, je pense qu'elle a vraiment vu. Oui, pour l'instant, elle est consciente quand même que ça peut vite basculer d'un moment à l'autre en fait. Pour ça, c'est compliqué de se dire qu'elle va partir quoi. Parce que là, très clairement, c'est leur territoire en plus donc. Bah, c'est pas ouf quoi. Ouais. Ouh là là, j'ai hâte de voir le trailer du prochain épisode là. Voilà pour la réaction de cet épisode 3. Bah, comme d'habitude, hein, je vais pas vous spoiler mon avis. Et vous verrez dans la review, donc la review détaillée comme d'habitude. Et on se retrouve, n'oubliez pas, mercredi de 20h à 22h pour le live, pour parler de cet épisode. Voilà. Et on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!